Bonjour peuple de Dieu, je suis le pasteur Guy Robert. Je suis content de me tenir devant vous ce soir. Nous sommes là pour notre parole d'encouragement. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean 11, à partir du verset 20 en descendant. Je nous fais la lecture. Lorsque Marie apprit que Jésus arriva, elle allait au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marc dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et qui convie et croit en moi ne mourra. Jamais crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, il te demande. » Seigneur, nous te disons merci pour ce temps de partage. Merci, Seigneur, pour bénir, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont connectés en ce moment, Seigneur, qui prend part à ce programme. Marc dit à Marie, le Seigneur est ici et il te demande. Il y avait une situation de deuil qui était devant eux. Marthe et Marie étaient frappés d'un deuil. Ils avaient perdu leur frère Lazare. Jésus n'était pas à côté, le maître n'était pas là. Ils étaient en deuil, ils étaient affligés. Sûrement en ce moment précis, tu es aussi en deuil, tu es affligé, tu es en peine, tu as une douleur dans le cœur. Sûrement. Tu as sûrement aussi envoyé des messagers vers Jésus pour dire ceci. Tu as sûrement prié pour que le Seigneur intervienne par rapport à la douleur que tu vis présentement. Mais le Seigneur ne s'est pas présenté quand tu avais besoin. Et la situation s'est empirée. Marie et Marthe avaient la même situation. Mais la Bible dit ceci. Quand Marie a appris que le Seigneur était là, la Bible déclare, elle se leva promptement et alla au devant. Aïe, je veux dire à quelqu'un, quand le Seigneur est présent, la situation doit changer. Marie s'est levée parce qu'elle savait que le Seigneur était là. Le maître était là, son maître, était, son Seigneur était là sur les lieux. Alors la situation devait forcément changer. Elle avait eu foi en cela. Elle savait qui était son Seigneur. Elle savait qui elle avait cru. Dès qu'elle a juste appris que le Seigneur était là, elle s'est levée. Je m'en t'encourageant, te dis ceci. Si le Seigneur est juste à tes côtés, prends courage. Prends courage. N'aie pas peur. Parce que ta situation actuelle changera. La vision actuelle que tu as changera. Si seulement tu sais dans ton fond intérieur, dans ton cœur, que le Seigneur est présent. Mon frère, ma soeur, ta situation doit forcément changer. Parce que le Seigneur, quand il est présent à nos côtés, tout change. Là où il y avait le désespoir, là où il y avait l'angoisse, là où il y avait le trouble, change. Toutes ces choses prennent fuite parce qu'ils savent que le Seigneur est présent. Marie a appris que le Seigneur était là, elle s'est levée. Celui qui avait la solution était présent, était finalement arrivé. Celui qui avait la réponse, celui qui avait le remède pour calmer sa douleur, était sur le site, était sur les lieux. Alors, elle n'a pas eu d'autre choix que se lever et aller vers la rencontre de celui-là qui avait la solution. Elle était en deuil, elle était triste. La mort avait sévi, mais elle a dit à la mort, il y a celui qui ressuscite qui est là. Il y a celui qui ressuscite qui est là. Il y a le Seigneur qui est là. Il y a celui en qui je crois qui est présent. Alors la mort, tu n'as plus le pouvoir. La peur, tu n'as plus le pouvoir. Elle se levait promptement. Elle est allée à la rencontre de son Seigneur. Elle est avancée. Elle a marché. Elle a couru. Dès qu'elle a vu son Seigneur, la Bible déclare ceci.
Elle s'est prosternée. Amen. Elle s'est prosternée. Elle ne s'est pas prosternée devant la difficulté. Elle ne s'est pas prosternée devant la peur. Elle ne s'est pas prosternée devant la situation actuelle, non. Mais elle s'est prosternée devant une seule personne. Devant son Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu te prosternes devant qui? Tu te prosternes devant qui? Tu te lèves pour aller vers qui? Marie s'est levée pour aller vers son Seigneur. Mais toi, tu te lèves. Quand tu te lèves, tu cours vers qui? Quand tu te prosternes vers pour qui? Devant qui? Marie s'est prosternée devant son Seigneur qui avait la solution. Et le miracle est arrivé. La solution est arrivée. Jésus a dit à Marie, « Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? » Marie a dit à Jésus, « Viens et vois. Viens et analyse la situation. Viens et observe. » J'aimerais te dire aussi ceci. Dis au Seigneur, « Viens et vois. Viens et regarde. Viens et constate toi-même. » Quand le Seigneur est allé vers nous, on avait enterré Lazare. Le Seigneur a dit, « Oh, ôtez la pierre. » Ôtez l'obstacle, ôtez la difficulté, car je suis le Seigneur, le Dieu. Alléluia. Quand ton Seigneur et ton Maître est présent, c'est la joie, la vie renaît, la force, la confiance revient. La difficulté qui était présente prend fuite parce que ton Seigneur est là. Et quand il parle, il dit, Lazare, lève-toi. Lazare qui était mort. Depuis 4 jours, on l'avait déjà enterré. Lazare est revenu à la vie. Je t'encourage. Ton problème n'est pas un échec. La situation par laquelle tu passes en ce moment n'est pas une fatalité. Je veux juste que tu prennes conscience de ceci. Connais le Dieu que tu sers. Connais le Dieu que tu adores. Connais-le et célèbre-le. Connais-le et prosterne-toi devant lui. Je te rassure que si tu connais le Dieu que tu sers, si tu connais le Dieu que tu loues, si tu connais le Dieu que tu adores, ta situation changera. Il se lèvera, il parlera pour toi. Il se lèvera et il ordonnera pour toi. Il se lèvera, il se présentera à ta place. Il commandera pour toi. Parce qu'il reconnaîtra que tu es son fils, tu es sa fille. Oui, il parlera pour toi. Ce n'est pas Marie qui a dit, Lazare, lève-toi. C'est le Seigneur qui a crié à la mort. Qui a dit, Lazare, lève-toi. Oui. Que le Seigneur parle pour toi. Laisse maintenant le Seigneur parler en ta faveur, comme il a parlé en faveur de Marie et de Marc. Quelle que soit la situation, si tu as failli fléchir, baisser les bras, perdre la foi, non. Laisse le Seigneur. Laisse le Seigneur maintenant te parler. Laisse le Seigneur parler pour toi. Prends courage. Prends courage. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est juste à côté de toi. Le Seigneur est juste à tes côtés. Il se tient juste à ta droite. Il intercède. Il parle pour toi. Il parlera toujours en ta faveur. Ne baisse pas les bras. Continue à espérer. Continue à l'adorer. Continue à le louer. Continue à le servir. Le Seigneur parlera pour toi, pour ta cause, pour ta situation. Il ordonnera et la chose existera. Il l'appellera et la chose viendra à la vie. Oui, je prie que la voix du Seigneur se lève et se fasse entendre en ta faveur maintenant. Que la voix du Seigneur se lève et se fasse entendre en ta faveur maintenant. Que tout ce qui était obstacle, difficulté pour toi se taise maintenant. Que toutes les voix qui se sont fait entendre jusqu'à maintenant s'abaissent et se taisent au nom de Jésus. Parce qu'il est question que ton Seigneur parle. Et quand ton Seigneur parle, aucune autre voix ne peut parler. Aucune autre voix ne peut se lever. Parce qu'il a le dernier mot. Il est le juste, juste. Il parlera pour toi. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Qu'il en soit ainsi pour ta maison. Qu'il en soit ainsi pour ta situation. Qu'il en soit ainsi pour ta foi. Au nom
de Jésus-Christ de Nazareth, sois restauré et sois béni au nom de Jésus. Amen. Je te dis merci de m'avoir suivi. Je veux t'encourager à te connecter tous les mercredis. Nous avons un programme extraordinaire tous les mercredis, cœur à cœur avec le roi. C'est les temps de louange, c'est les temps d'adoration. À partir de 20h, le vendredi comme le jour, comme ce jour-ci, nous avons notre part d'encouragement à partir de 20h. Et le dimanche, nous sommes en ligne à partir de 10h jusqu'à 11h. Invite ton frère, invite ton voisin, invite ce que tu peux inviter. Connecte-toi et partage. Que le Seigneur te bénisse. Amen.